chef gang Tijinio, mouche la saline ça, li tann un piège pour la police dans optique bataille pour débloquer terminal Vareux. Son bagay grave. Et si toutefois la police ta prend un piège si là, dans pays nous a gen gros risque. Même moun monsieur Fizier c'est dans piège là li lagé cadavre. M'bral bon tout détail et m'bral expliquer comment piège si là li même li fait. Et on l'autre bord, États-Unis gen un ouragan qui pend Dieu sous li là. Mon chè m'a regardé quelques images, bagala grave oui, avion chaviré, avion crasé, gen en pile vol qui annulé, en pile l'école obligé fermer, même trajet pas gagné. Dans la rue États-Unis, puis précisément dans l'état Floride, bagala compliqué. M'bral bon détail, m'bral parler ensemble avec ou là, mais malgré tout ce temps de là, la rue si pas prend pitié non li même. Li menace utiliser zame nucléaire contre États-Unis avec Occident qui fait gros pression sous pays la Russie. Comment nous y est? Nous souhaitons que nous en forme pour la charger, pas de temps pour nous bêtiser quitter nous galoper. Mon cher, nèg yo le Tijinio qui c'est une nan Genève yo, son nèg en dan estikti Genève, monsieur gen une considération qui énorme. Et vous entendez parler de barbecue iska, nèg ça pas rien devant Tijinio. D'ailleurs, dit même tout nèg Genève, même barbecue parce qu'elle est chef oui, qui fait pas marcher tête baissée devant Tijinio. Tellement Tijinio ça pas manger rien qui fret. Selon information, selon détail que me joine qui sorti en dan fief nèg yo, parce que ici yann bagin l'autre rien pour nous faire que bon détail bon gens information. Tendez non. Tijinio gon trou di fe. De samedi là, Tijinio li gen un trou di fe. Li mette caoutchouc dans tout ça. Et puis, li mette gasoline. Li passe à li mette et tout ça, mes chers amis. Di fe pas jamais tenye la dedans. Parce que mouche a, li gen di fe nan tout, met di fe nan tout ça en permanence. Chaque jour, mon Dieu mette, c'est di fe qui li met nan tout ça. C'est un tout que mouche a utilisé pour le capable griller cadavre. Lèv tué un ennemi, cadavre ennemi el pa kite, met li jouen ni li tout pran. La gueule dans trou a ça pas rien mouché a même aller plus loin pour le faire connait dans bataille qui gagne là concernant terminal Vareux côté nous connait gaz stocké et nèg Genève yo faire connait c'est sous entrail yo pour gouvernement ta passé pour ta vienne prendre gaz pour dispatcher à travers diverses pompes dans pays nous ben nèg ça dit ouais piège si là ouais tout dit fait ça si la police pas poser depuis c'est agent policier qui yo tué c'est dans trou ça y a plagué yo. Est-ce qu'on entend des détails? Alors c'est pas pour sans raison. Bien entendu que me penser que policier yo connaît tout dit fait ça, li là. Et on connaît piège là, li bel et bien présent, c'est pas pour sans raison, nèg yo gèl était lagué pied yo. Là ou té campé pour té bataille ensemble avec monsieur Genève yo pour té capable gagner un passage en dedans terminal Vareux. Ti junior fait connaît pour que j'aime gagner rien. C'est qu'on y a bataille à main gon main. C'est qu'on y a Ariel Pral connaît qui boit estikti Genève chauffé. Ça veut dire di yo même, yo campé goumen la et bataille là, yo prennent la même peuple là, koun y a son bataille Genève en famille et allié contre gouvernement Ariel Henry. En tout cas, message là li lancé mes chers amis, tout policier kap koute nous là, tout policier m connaît là kap prend formation ou bien kap prend l'ordre pour yo al font façon pour débloquer terminal Vareux. Dans l'optique pour camion qui rentre et prend gaz pour faire dispatch à travers pompe, mais c'est réfléchi avant d'aller. Ça est important, oui, parce que parfois, les gens font façon pour ouvrir une alpe pour la mort gratis. Et je souhaite que la mort gratis arrive là, car nous, en tant qu'agent policier, qui bat l'eau pour faire bien. En tout cas, mouche Tijinio fait qu'on ait tout dit, fait ça qu'elle bien, lui fait ensemble avec gasoline et puis caoutchouc, tout ça. Lili met 24 sur 24 pour n'importe ennemi, n'importe adversaire campé devant, depuis le quitter et adversaire, li gen raison sur adversaire le tuer, c'est dans tout ça le griller cadavre. Est-ce qu'on de causer? Est-ce qu'on de information? En tout cas, bagarre la compliqué. Pendant m'a parler des questions gouvernement Ariel Henry, faut me dire gen ti wil nan go naïve après tout message que monsieur était déjà fait passer dans micro la presse pour te annoncer qu'il prend le camper en face gouvernement Ariel Henry, eh bien, mouche a li met pied la terre, oui. Ah oui, nan go naïve la, Will Fort Ferdinand alias Tiwil, qui c'est ancien membre Front Résistance nan go naïve, ancien nèg 2004 qui va manger un qui frette. Eh bien, misye nan tête en gros manifestation, nan moment m'a parlé avec nous là, pour exiger
démission PM Ariel Henry sans condition. Est-ce que vous comprenez? Et manifestation dans moment là pour qu'on gagne dérapage. M'pa konn pou pita, m'pa konn laissant peuple la fin chauffer si on pral fond dérapage, mais dans moment ti wil to ça en pile moun songe mouche ça malgré moi le comporter en tant que moun de bien journée jodi a, mais toujours songe grand moun yo di ou moun nan ka toujours vendre outil a, li ka toujours vendre élément que te konn permettre ni manger dans outil a, mais quand ta pou métier a li pa oublier grand moun yo toujours dit ça. En tout cas ti wil nan tête on manifestation en dango naïve rempli à craquer avec manifestants qui ont exigé Ariel Henry lâcher moi qui baïté parce que monsieur ouais il paraît vraiment inefficace, il paraît vraiment inopérant dans quelque activité qu'il t'a supposé t'emmener dans tête pays d'Haïti. Bagala compliqué. L'autre détail, l'autre information que m'bral ba nous, m'a obligé font quitter Haïti pour me prendre avion pour me arriver aux États-Unis d'Amérique, parce que nous connaissons nous gon paquet pat compatriotes nous cap vivre l'autre bossi là. Qui s'est passé? Gen un ouragan qui a été annoncé sous pays États-Unis d'Amérique. Eh bien ouragan dit déjà arrivé, et quelques images que m'a regardé là que m'a partagé ensemble avec vous tout, mon cher bagala vraiment compliqué. C'est dans l'état Floride, il est vraiment compliqué. M'a regardé avion, est-ce que vous comprenez? Avion qui chaviré, on prend une tête en bas. Ça qui passe ouragan qui a frappé comme ça, et selon information que me fait confiance, et pas des vols qui pas annulé suite avec ouragan ça. Et yo mande pou moun yo tant pri souple pas sorti sans besoin pièce important yo, yo mande yo pour mettre en côté à pas, parce que ouragan ça passage li ka provoke en pile dégâts. Bon m'dou avion chaviré qui ça qui dégâts encore pour ta gen là. Ou imagine nou côté gen en pile moun ki pa reme tande ou bien ki prend pour Saint Thomas et yo wè yo kwè. Ou imagine nou ki dégâts ça te capable provoke. En tout cas mes chers amis, information ki ça ki lié dans Florida, mes chers amis, dans état Floride, alors service transport dans Miami Dade et puis gen état Floride décidé camper circulation bisio, circulation train machine pour handicapé. Décision ça li prend dans l'idée pour protéger tout passager net pendant passage ouragan qui pote gros vent ak la pli, et assurément c'est vent sa yo qui chavire ti avion qui m'a regardé, ou même tout qui m'a regardé à travers écran appareil ou là. Bagala compliqué, oui. Bagala vraiment drôle dans moment m'a parlé avec nous là, et autorité au prévoit tout pour fermer bibliothèque ensemble avec PACU dans optique pour tout monde rester à l'abri pour pas al promener, parce que dit pas supposé marcher sans que pas besoin. Et même si on t'a besoin font recul suite avec décision que gouvernement américain lui-même li choisi prend dans moment côté gen ouragan ça qui fait un pile rage, mes chers amis. Et dans Florida même gen plusieurs dizaines vol qui obligé annuler dans jour sot passé là pour arriver kounya dans moment enregistré émission ça gen airport Miami li parler pour faire connait gen 50 vols qui obligé annuler, alors que n'entend pas airport là lui-même obligé cadenasser, c'est-à-dire fermer. Depuis hier, airport Orlando campé tout vol commercial. Yo responsable aéroport Florida yo mandé voyageurs yo contacter compagnie avion yo avant même yo vini, parce que ça annoncé là, ça gen là, ça yo ouais que ouragan ça a fait aux États-Unis d'Amérique son bagay qui pa piti, et yo pa vle aucun monde ka vive aux États-Unis d'Amérique dans état Floride. Si tout moun tan pa, yo pa vle on bon pour yo al risquer vie yo. Est-ce vous entendez? En tout cas, bagala vraiment compliqué, mais forme du malgré tout sortant de là. Gen la ri si li même qui pa bay vague. Comprenez, pendant gros ouragan passé, comprenez, a fait dégâts aux États-Unis d'Amérique. Mon cher, gen quelques responsables dans pays la ri si qui a parlé, qui a pris un gros bouton ton décision qui capable provoquer gros kè kase tout. Parce que comme dit ça, parce que gen un ancien président la ri si qui en même temps numéro 2 conseil sécurité RIS là. Mi bote non Dimitri Medvedev, on non lex anti Jean Fouquet, monsieur était assuré que Moscou pral défendre nouveau territoire sa yo, que li gen intention incorporer comme territoire la Russie. C'est-à-dire quel territoire qu'elle prend dans pays Ukraine, et gen tan un référendum qu'a fait là, mes chers amis, pour endroit sa yo pour moun yo voter. Si toutefois yo vle que endroit sa yo vinn gagner, la Russie qui impose mel sou yo. Est-ce que vous comprenez? Et mouche a aller plus loin pour ajouter, pour dire que la Russie pas écarté possibilité pour ta utiliser armes nucléaires qu'elle gagne pour défendre territoire russe.
Est-ce que vous entendez? Et malgré par la suite, d'après un dirigeant qui est secrétaire d'État états-unien, en parlant de Anthony Blinken, monsieur a obligé, mais pour ses cris, il dit parler à Clarisse en public ou en privé. Pour le dire, si ce n'est pas les vagues sous armes nucléaires dans le conflit Ukraine. Après, président russe Vladimir Poutine a fait une déclaration, quand il a dit, l'observer avec quel que soit moyen il gagne pour le défendre le pays. Eh bien, monsieur Anthony Blinken, il fait qu'on est important en pile pour Moscou, tendez nous, les nous dit, pral gen gros conséquences graves. Et nous dit ça bien clair. C'est comme ça Blinken obligé parler dans un programme de télévision 60 minutes qu'il te gagne dans CBS News. Vous comprenez, il te bail interview ça. En tout cas, mes chers amis, la gala vraiment compliqué, même abdine ça tout. C'est ce qui a trait avec Haïtien Cap Vive en terre voisine, mon cher. Bon image qui vient de moi là côté l'État dominicain choisi craser 1000 caille que compatriotes nous yo t'a vivre là-dedans yo. Et ceci dans 1000 caille ça connait l'autre bois la vie à un petit gens, elle dit mesdames yo obligé ouvrir pied yo ba mari yo met tibay dedans va tout. Mais petite, elle dit gien cap gien sous n'importe une douzaine ça sous demi douzaine parce que gien manger pour yo ba yo. Peut-être pour prendre avec naissance ça pas facile. Et bien faut me dire moun sa yo la gen ki te fè césarienne, gen ki a peine accouché, yo tout abdomi nan la ri, abdomi en bas la pli parce que l'état dominicain prend décision pour craser plus que 1000 kay que haïtien te habité la dedans nan un camp, c'est-à-dire nou en dehors. En tout cas, baga la compliqué. Ou même ki besoin j'ai question public par rapport avec monsieur qui gen zam yo ki t'a bay problème nan entre sud pays a entre 2020 et 2022, situation a évolué. À titre d'exemple, je dis à Gon Canard en 70 qui campe en bandition. Monsieur Vitelomio, il a pris proportion sérieusement là. Il a sorti tabac, tombé Pernier, Torsel, il a privé Belleville. Je dis à là, est-ce que vous pensez, ministre justice de votre État, ou t'as gagné même et discours par rapport avec des opérations, probablement, ou t'es capable de mener dans une série de zones qui est caractérisée par des violences armées à répétition? Bonne mémoire, papa, reproduit textuellement samedi, c'est vrai, il dit ça. Lorsque l'autorité va pouvoir me prendre la responsabilité de Mali, monsieur Théo est la personne de Lukman, mais il n'a pas trouvé le ministre de la Justice. Ça a été une erreur grave. L'on évoque un ministre parce qu'il n'est pas d'accord dans ce qu'il avait dedans. Et c'est ça la paix, là, qui m'a dit qu'on peut venir. Mais ça est capté, mais ça est reçu, donc puisque les criminels étaient comprennent, monsieur voulait bien, il fait fête. Il a tiré, même soirée. Il a retiré dans la même soirée, il a fait travaux publics débloqués en bas et quitté par les résultats, qui apporté les résultats, parce que c'est une stratégie militaire que tu utilisé avec la police, qui a commencé par les résultats, parce qu'il se passe en secret, nous avons fait même sous la main. Nous étions fermés à partir de marine. Nous occupions tout espace là. Nous devons le faire dans tout côté des poches de criminalité. Parce que côté, bon, deux ans et demi après, bah, la dégénéré, mais tout l'autre côté des poches de criminalité, nous devons le faire. Même bagarre là parce que tu as besoin de choix. Ou bien tu es tête, ou bien rentre tête. Mais progressivement, tu as avancé vers eux parce que les manger pas quand tu es médicament rentré, les âmes pas rentrer parce que les âmes n'ont pas de capoter le bayou. Mais pendant que tu n'as pas maintenant, ou après, sauf docteur qui a été kidnappé, et nous sauter kidnappé, non, les qui fait kidnapper dans l'arrêté, mais naturellement, c'est vous en bas qui t'apprends, mais l'exécutant n'en a pas. Donc, camion va détourner, pas de bon kidnapping, il est fait. Et là, mais nous avons dérangé des intérêts des uns et des autres, que nous ne comprenons pas ça. Nous sommes naïfs tout, et il faut me dire ça, parce que nous ne pensons pas que l'État pays était pourri, l'État ça tout. Nous ne pensons pas que nous sommes naïfs, nous sommes toujours pensés, tout le monde même, il y a même dans l'État, qui a une certaine moralité que tu as pratiquée, mais pas de connaître si on se nomme dans l'état la plupart, tu es aussi méchant et criminel devant les comme ça. Je m'imagine ça. Peut-être Dieu soit loué que souverain de Kamoui, parce que nous avons mal ombre à jouer. Je ne peux pas comprendre ça. Donc, avec le temps, l'information a venu, je ne peux pas comprendre. Donc, je prends mon repère de bandits et de criminels à cravate, et c'est ça que fait. Bon, innocence, moi, peut-être honnêteté, me sauver. Bon. Au moins, demain, question, est-ce que tu as un bagage de café? Pourquoi l'État toujours un bagage de café? Et pour moi-même, la sécurité est d'abord psychologique. Et bandit, depuis qu'on est que
ou parle en favel, li konnen ke l pa ka ouye moun bon kote yo pou jwe la jan ba ou et pou l'intimide yo, li la fè bak. Et sa gen la, c'est parce que et qu'on sorte de connivence, qu'on sorte de complicité. Parce que l'autorité, c'est la bonne morale. Si vous n'avez pas de moralité, vous n'avez pas de diriger l'État. Ça, c'est clair. Il va dans tout pays sur la terre, c'est pas Haïti seulement. Mais comme nous comprenons l'autre pays à part nous, nous faisons n'importe qui bagaille. Mais alors, ce que l'on a dit, l'État, il faut qu'on certaine moralité. Et c'est moralité, ça ne va pas qui fait monsieur aussi à aucun comme ça. Je pense que nous avons beaucoup plus à enflammer toujours. Et continuons. Et parce que vous voyez que le pays n'est pas capable de diriger comme ça, il n'est pas possible pour nous laisser 12 ou 15 millions haïtiens, l'Italie là, pour tuer toute la série comme ça. Lorsque le responsable de l'État, ou une responsabilité politique, ou une responsabilité morale, hein, pour mal manger, pour mal sécurité, pour mal santé. Il n'est pas normal pour nous livrer le pays comme ça. L'emmain criminel, il n'est pas possible pour la vie chère comme ça. Pour nous pas qu'à vivre, pas de la vie encore. Les gens ne peuvent pas vivre dans le pays, ce n'est pas normal. Si on n'a pas de pas capable, on ne pas capable de vous déplacer. On n'est pas capable de responsabilité pour que le peuple crie comme ça. Je m'en demande à ça. Et c'est l'autorité, ça. Est-ce que petit est madame? Est-ce que ça va dire rien? Elle a regardé que la société a souffert pour qu'on a crié ça. Et c'est ça qui fait mal. Il y a des gens tout. Comment tu as imaginé le livre matin qui t'avait dit pas? Comment tu as fait? Et puis pour les gens, soi-disant, au pouvoir, pour tous les gens, comme ça. Ce n'est pas possible. Donc moi-même, je crois que peut-être conscience comme des gagnants, ce n'est pas lui, monsieur Gagnant, son rien va être intéressé par l'argent. Mais je crois que faut commencer à rendre compte que l'argent n'est pas trop utile parce qu'il n'y a pas de pouvoir ou le marron. Parce que si ou gain pouvoir, ou gain corps, ou gain âme non mort pour délinquant, ou mort pour criminel, ou pas qu'à bouger même rien, presque même rien avec citoyen dans le pays, quelque part bon problème. Donc nous avons souhaité monsieur Nifichi. Et je crois que je ne suis pas capable de fonction de responsabilité pour me faire accepter un bagage comme ça. Okay. Donc ça veut dire logique, ne fais rien. Ne dis accepte tout le monde, moi je me balade. Allez, nég ici, pour être en poste ici, faut qu'on pas fait un, il faut qu'on pas dit un, il faut accepter tout le bagage. Même gens, malheureusement, le ministère des étrangers a accepté tout le bagage. Et là, le discours côté pays en soulevé, côté même international là. Et montrer que pas d'accord avec lui, montrer qu'on est réalité Haïti, hein, en même temps, c'est ça. Donc ça veut dire que s'il participe, si peut-être il est fortement été révoqué, donc ça veut dire que dans la vie, bon choix pour être fait. Moi-même, l'aime qui fait choix pour traquer quand même, je connais ça qui est arrivé. Même pas de pense qu'il va la tête pour le niveau ça, non. Même d'attendre à ça, parce que l'on va le goût, mais qu'on gagne, parce que quand même, t'es commissaire gouvernement avant, mon idée, et gang là qui ramification, comment bras au long. Mais, je dis, ma fond bagaille, pour société en vrai que au moins de bonne fois me délivre mon bagage mon côté me délivre voilà mettre Delil et c'est pratiquement dernière question mais il gagne deux volets et me penser au participant et évoquer ça dans différentes interventions yo des mauvais jets qui rivaient dans tête l'état mais l'état ça c'est vrai comme structure toujours existé mais si nous bien garder n'a pour c'est presque même moun yo des fois yo aller yo tourner. Pour les raisons que je me pose là, est-ce que je dis à sous-joindre une possibilité pour ta servir dans même l'État ça? Est-ce qu'on parle pour la République en bourrade dans même niveau là? Ça c'est le premier volet question. Non. Deuxième volet question, j'espère que vous avez noté avec moi. Ça fait pratiquement trois fois en moins que un an, il y a un monsieur qui est le Jimmy Cherizi alias Barbecue, qui est en tête en fédération de gang, qui est le G9, et en famille, main tout et allié souvelé. Donc, yo barré devant Varu. Varu, nous passons pas de rappeler là, c'est le terminal qui stockait près de 70% produits pétroliers pays a besoin. Même les gens qui ont des doutes, est-ce que tu as gaz dans le terminal ouvré? Donc, Lydia Alexandre te fait remarquer ça hier. Mais en dit c'est vrai, il gaz, c'est Jimmy Cherizier qui continue à faire sol avec l'État, dans des gros l'argent pour le débarrer. Dans mon bail, ministre de Justice et Sécurité publique, la mettre Bertrand Dorson, consultation matière. Et question de deux volets, est-ce que si nous avons une possibilité de servir la République, je crois que nous avons d'être envers la République parce que Abelier dit c'est dans l'école de l'État, nous avons d'être envers la République. Mais attention, et pas servir dans n'importe quelle condition, et parce que Abelier, moi, mon objectif, pas, mais c'est pas l'achat qui est intéressé. Il faut que les sous-sales, ça m'a dit la démagogie, ou car il est paquet, ministère, l'aime d'en bas, pour prendre information de ça.
Donc c'est pas l'argent qui intéresse d'abord. Comme professionnel qui paye à marcher, je crois que je vis dans la dignité. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de l'État, fonctionner, etc. Donc bref, quel que soit. Et on va être normal, fait, etc. Je vais avoir un coup de main pour me sortir payer dans ça. Moi, je vais faire avec plaisir, mais pas dans n'importe condition. Et je crois équipe qui l'a, je ne sais pas quoi, je vais garder la même direction avec. Parce que je crois peut-être vers le sud, peut-être vers le nord. Parce que l'autre, je vais comprendre l'État, moi-même, l'autre, je vais comprendre. C'est tout ça, ça et je vais répondre pour le coup. Deuxièmement, si toi, je vais parler là, moi-même, ouais, je vais parler, je vais citer nos chefs de gang, etc. Je vais parler de ça, je vais parler de ça. Ok, et Mbaba est trop important. M'a cité non terroriste. Et l'aime temps dit que les citoyens se parlent là, délinquants et fermés vers eux. Donc, bah c'est comme si moi l'avais bien. Donc, Mbaka comprendre bah ça. Donc, franchement, moi renverser les maps dans d'autres situations parce que pour grain individu qui comprennent pour bloquer l'État, bloquer toute la République. Et pour régler l'affaire personnelle. Bon, de toute façon, je crois que je dis tout le bagaille, je pense que c'est connivence qui mène nous là, c'est situation qui mène nous là, c'est tolérance qui mène nous là, côté autorité qui est là, bagaille moralité, et pour nous faire individu à faire bac, et pas tous les moyens, parce que là, on va diriger l'État, on a une responsabilité. Donc, je crois qu'on n'a pas qu'à quitter. On a un individu bloqué toute en République. Et bon, la situation est ce qu'elle est, donc. Et c'est là-bas à la mène, non, je crois que c'est révoltant. Le monde entier a regardé, non, vraiment, il y a dans son urine. Donc, il y a regardé, soi-disant, dans l'État, pour tolérer un genre de comédie comme ça. Mm-hmm. Son comédie de mauvais goût. Et c'est là parce qu'il est là. Donc, la petite population, courage, parce que là, la situation de détresse. Et mon courage, là, pas assez parce que là, l'état de misère. Mon niveau d'insécurité, nous avons toutes sortes de bagages. Donc, bref, payant son pays qui tourne l'enfer, Haïti, j'en viens là. Mais c'est ça, nous avons dit population. Nous avons dit au courage, mais on joue à l'élection. Et je crois que nous prenons le sort de cette partie-là pour nous identifier. Et jouer à l'élection, je ne sais pas la fête, personne ne le connaît. Et comme c'est dans la démocratie, nous avons identifié qui est-ce pour mettre dans cette pays, qui vous député pour sénateur, pour maïsia, pour casette. Parce que pour choisir critères, surtout critères moralité, c'est très important, type de monde a choisi, qui est-ce que nous avons, fonction d'occuper dans le privé, dans le public, comment le gérer, comment gérer la carrière, comment le vivre, et l'environnement, comment le fonctionner, est-ce que le respecter le monde, est-ce que ce n'est pas la délinquance pour ne pas tourner la bagarre encore, parce que le niveau pays en descendant là, dans toute l'histoire d'Haïti, jamais, dans sa mélite, dans l'histoire d'Haïti, ça n'a pas jamais arrivé dans le niveau. Et à terre aussi, pas le niveau à utiliser, la déchéance, nous arrivons là, ça pour que j'aime arriver. Donc, pourquoi que ces populations hein, et qui pour font bagaille, comme nous commençons déjà là, de bravo, mais éviter violence, mais pourquoi que font manifester tout ça pour faire un plaisir, pour nous vivre dans le monde, toute notre nation à vivre dans le monde, pour qui ça va pas vivre dans le monde, tout. Si nous soi-disant, l'État là pour protéger, et le peuple est là pour protéger les citoyens. Donc, nous avons dit, et faire sans violence, parce que ça l'écrasé, c'est pour payer encore, parce qu'il n'y a pas besoin de corps pour nous reconstruire. Mais la population qui est là, qui est ferme, pas découragée, et même le jour le plus noir, il ne faut jamais perdre l'espoir. La vie est triste, mais elle est grande aussi. Mm-hmm. Haïti n'est pas seul pays qui fait face à la réalité gang, non, mais dans l'autre pays qui connaît, ou qui connaît la réalité, ça, nous trouvons l'État en face, tant que gens s'est passé dans le pays Salvador. En Haïti, nous ouais, l'État li fond à gang yo, nous ta remen ou aider nous comprendre ça comme moun qui t'est passé dans l'État, titon fait dans l'État qui ça li permet ou gagner de compréhension sur niveau tolérance l'État vis-à-vis gang yo. Bon, et pour moi même ça c'est arrivé là parce que l'on est pas pouvoir dans la politique et chaque monde qui est dans la politique là a objectif. Si les gens ont un objectif pour le Québec pour avoir le corps, eh bien c'est normal, il va rentrer de connivence avec gang, avec bandit. Parce que si tu la lune vient ni gars, mon chien Bab ne change rien. Et chaque monde qui peut bien faire, moi m'a fait comme Bab de Mali. Donc c'est ça que mon sort est là, on y a là. Elle dit que le monde qui a été en pouvoir, il n'y a pas de gagné, on va être clair dans la tête. Yo, et là, ça a délivré pour payer. Comme il y a tout le monde a fait comme il a fait comme. Et au niveau du président Salvador, c'est parce que l'équipe y a par la gang.
Et pour résoudre le problème, ça, il ne faut pas avoir un rapport ni de près, ni de loin, ni très très loin avec eux. Sinon, si l'équipe la langue, ou bien chef exécutif la langue, ou pas régler rien. Et l'autre état qui n'a pas passion, il fut un temps la ville de New York, presque était. C'est vrai que pas qu'il y a l'ami pour Haïti, mais c'est un peu le problème de notre tout. Mais Marissa Giuliani, qui fait face à la veille, il ne fait pas. En Italie, l'Italie était nommée, on a fait du gang, etc. Et, mais la justice, la police n'est pas en passion. Et c'est vrai qu'il y a un peu de juste victime, un peu de police de victime, mais finalement, ils ne remontent pas de là. Nous-mêmes, nous adaptons la guerre, nous déconnons face à la veille, et bon. Naturellement, et si ça fait, nous arrivons là, on est là, nous arrivons dans le niveau de déchéance. Et côté M. Sayon, c'est le fait payer, le fait s'arrêter, et le poudou, et qu'il est pour entrer la caillou, qu'il est pour déplacer, est-ce qu'on peut rentrer, est-ce qu'on peut pas rentrer. Donc, on fait que payant, nous pas qu'à tolérer, nous pas qu'à continuer de tolérer ça. Et population a soulevé, et quand il y a fait un mouvement, moi je pense que bravo pour eux, parce que si le peuple n'a pas fait, et je pense que nous tout capé et nous tout capé ça. Ou gon opinion sur façon autorité au servi avec l'armée, on l'armée qui là qui quand même coûté la République et pourtant c'est pas on l'armée qui utilisé dans sens pour supporter la police là qui t'a capable aider dans situation ça je dis. Bon, on va parler à Brion FADH là, Brion pour l'armée d'Haïti. Bon, quelque part que l'État paye. Moi bon, si c'est très bien, quand tu es capable au coup de main. Et même si nous ne pouvons pas comparer avec l'ancien arme, qui est un des bons tacticiens, qui est un des léopards, qui est vraiment une caserne de Saline, qu'on a vu à Jean, donc tout compagnie tactique dans tous les départements, mais malheureusement, pas que ça, sont embryons. Et donc là, et de toute façon, je ne sais pas comment ça va faire. Et je ne sais pas effectif, je ne sais pas parler de couleur effectif. Et même si l'État paye, il faut être au coup de main. C'est tout ça qui est parti pour le moment. Parce que nous connaissons là, même des gens difficiles pour nous revenir encore. Et quand plus de monde assimile seulement officier de coup d'État. Mais ce n'est pas seulement au niveau Haïti qui est coup d'État, c'est tout à l'heure gratuitement. Donc ça veut dire que l'institution, on veut là-dedans, c'est corriger, on veut corriger, c'est pas grave, c'est deux. Et grâce à là, mais quand elle mène nous, on est là. Donc les mène nous. Dans la dérive, donc c'est une relative. Donc, je crois que si l'armée d'Haïti n'est pas mobilisée, donc je ne pas penser, je ne crois pas que le pays est là dans la Caraïbe. Parce que l'on crache tout petit temps, et l'on regarde par les justices, parce que c'est une parenthèse mauvaise, on parle de l'armée, et même j'ai un autre institution casé, l'on regarde sur la justice qui est devenue la Cour de cassation, mon Dieu. Pour parler le Parlement. C'est grave, oui, monsieur. Donc, ça veut dire pas dans quelle institution puis toute bagaille à l'île, toute bagaille quasi. Merci un peu, M. Luc Mandeli. Et monsieur, merci un peu, monsieur, là. Merci un peu, pas voilà, M. Luc Mandeli, l'ancien ministre de justice, t'a fait parler avec nous matin. Hein, et journal Créole, première occasion après poursuivre les dix. Discours premier ministre Ariel Henry à travers ministre Affaires étrangères, le 26 septembre passé devant Conseil Sécurité Nations Unies. Vous voyez, j'étais bien loin. Vieille réalité, vraie réalité haïtienne, d'après parti Union Nationale pour Intégrité et Réconciliation. Coordonnateur Union Haïti, Clarence Renoir, mettait accent sur discours ça. Dit qui déconnecté à situation déplorable qui gagne depuis quelques temps dans le pays, surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Gouvernement raté une opportunité pour te sensibiliser la communauté internationale là sous nécessité pour faire Haïti sortir dans la crise, d'après Clarence Renoir qui t'a répondu à la question collaborateur non Michel Alexis. Nous pensons que son déni de réalité dans le pays d'Haïti, discours ministre des Affaires étrangères. Et nous-mêmes pas comprendre comment les déconnecter comme ça de réalité, alors que tout l'autre intervenant qui était là avant lui a décrit une situation déplorable dans le pays. Et la population haïtienne a vu une situation déplorable, côté pas rien que sous contrôle du gouvernement. Regardez l'état pays, regardez les zones qui sont bloquées, regardez les gangs qui ont contrôlé l'espace même pour le gaz. Donc nous pensons que le ministre des Affaires étrangères a raté une occasion pour te décrire la réalité et sensibiliser le monde sur ce qui a passé en Haïti pour voir comment tu as retiré Haïti dans sa vie. Ce discours que le Premier ministre Livin Li, c'est encore pire. Pour le Premier ministre a l'impression qu'il a contrôlé
tout bagarre dans le pays, alors que ce n'est pas ça du tout la réalité. Je pense que aujourd'hui, la réalité a commandé que Haïtiens mettent tête ensemble, ils viennent en solution. Haïtiens sont capables de garder la réalité en face. Pour comment chaque monde dans le camp, dans le secteur, est capable d'agir pour aider que nous normaliser la situation du pays. Mais ce n'est pas capable de dire et mentir. Ça, c'est son mensonge flagrant et qui est capable de résoudre le problème du pays d'Haïti, quel que soit l'envoi que vous dites. C'est difficile aujourd'hui pour que la communauté internationale n'a pas à prononcer le sous-cris d'Haïti parce que tout le monde connaît, tout le monde a subi et la population qui a souffert. Et je pense que Zach qui a commis, c'est lui-même qui a subi en premier. Que ce soit la population qui a violé, jeunes filles, femmes, que ce soit l'école qui va calouvrir dans le pays, que ce soit grand goût qui gagne, la communauté internationale là, au courant de ce qui passe dans le pays. Maintenant, ça peut retirer le fait que il est capable d'aider Haïti à résoudre le problème, non, sans qu'il ne fasse ingérence dans le pays. Il ne fasse ingérence pour Haïtiens eux-mêmes entendre qu'ils résoudre le problème. Non. Mais de toutes les manières, on a besoin d'aide communauté internationale là, pour renforcer la sécurité dans le pays d'Haïti, pour aider la police nationale à faire le travail que nous avons pour le faire. On a besoin d'aide communauté internationale là, pour faire face à problème de grand goût, misère, qui, dans le pays, à journée aujourd'hui là, qui augmentait par rapport à une crise politique qui n'a pas fait une solution et une crise insécurité que gang, que des mondes qui ont l'argent, hommes d'affaires et hommes politiques, a entretenu dans le pays. Je vous dis à la situation du pays d'Haïti, demander un coup de main communauté internationale là, à tous les niveaux, même quand on a réclamé droit, dignité, nous, droit, souveraineté, nous, mais l'homme pays en danger, l'homme peuple en danger, du besoin de secours, du besoin d'un coup de main de la part de nations sœurs. Voilà, déclaration Clarence Renoir. C'est sénateur Francisco de la Cruz qui a constaté que le pays d'Haïti prend un gros complot, communauté internationale, les Nations Unies a une série de conseils, tant qu'Ariel Henry, pour qu'un pays en catastrophe. Pour dire parti rénovateur haïtien, position secrétaire général Nations Unies, responsable affaires hémisphériques dans l'administration Biden, avec dirigeant binuien prouvé international, déterminé pour détruire Haïti avec peuple haïtien. En côté Francisco de la Cruz, dans le micro, Winchel Adrien. Pas oublier, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, qui parlait dans France 24, il était montré que ça qui a passé en Haïti, c'est pas vous, c'est le peuple, c'est pas la population en tant que telle, c'est comme des rats, des oligarques. Donc maintenant, ils ont un autre discours. Ils ont commencé à mettre un autre discours dans le premier peuple, qui c'est oligarque avec politiciens haïtiens. Donc, il y a qui ça fait? Il y a battu au crayon haine dans la tête des politiciens haïtiens. D'ailleurs, déjà, on travaille qu'à faire pour que pas gagner, ça n'a dit aucune crédibilité à aucun politicien haïtien. Donc là, c'est ça qu'il y a là, c'est ça que nous avons un lavage de cerveau. Même là, les par exemple, il y a besoin de tout le monde, il y a du fou, ils ne sont pas fous vraiment. Donc c'est comme ça qu'il fait. Donc maintenant, qu'il y a là. Et nous connaissons que, oui, nous connaissons qu'il y a un oligarque qui est le pays. Oui, ça a une politicien de pays, mais nous connaissons que également, il y a des mains invisibles qui sont beaucoup plus fortes que ce soit les politiciens, que ce soit les oligarques. Mais il y a une complicité entre les oligarques aussi et l'international. La majorité des fois, c'est comme ça qu'il est toujours fait. Par exemple, qui fait le plus son pouvoir éliminer certains comme certaines élites économiques et également certains oligarques de ce pays. C'est comme ça tout fait. Donc, le mari nous a peut-être dans des discours, M. Gutiérrez, et apportant de M. Ariel Henry, donc quelle concordance, quelle cohérence. Et on a raison, il nous cache dans la bouche. Et je le dis, regardez pour eux. Là, tout le monde pensait qu'il n'y avait pas un conseil de sécurité. Je pensais qu'il n'y avait pas gagné certaines prononciations par rapport à la crise haïtienne. Voilà ce qu'il faut faire pour trouver une solution, une sortie de crise. Nous, où est-ce que ça passe? Regardez le ministre des Affaires étrangères actuellement, lui, il est le porte de parole. Bon, mais pas de loi, c'est porteur de parole. Donc, c'est craché ce que dit M. Ariel Henry, c'est ça. Oui, on s'est rapporteur. Maintenant, regardez Mme Lanine. Je pense qu'il ne faut pas qu'on baille qui est aussi grave dans le pays. Oui, il dit tout baille sous contrôle. Bon, naturellement, qui est sous contrôle, on connaît. On ne peut pas conseiller. On a une sécurité, l'anglais est arrivé, on n'est pas qu'à sortir. On nous a manifesté par rapport à la vie économique, par rapport à la vie chère, par rapport à l'anti-gaz, par rapport que l'école, l'hôpital, pas qu'à fonctionner. Il n'y a plus plusieurs manifestations. Mais on dit que ce n'est pas en question X. Ouais, c'est un problème bien spécifique. Nous avons des priorités minimales, nécessaires, que nous avons besoin. Nous ne pouvons pas donc nous avons manifesté. Maintenant, le bas, il y a une qui est sous contrôle. Il y a une qui est sous contrôle exactement. Mais c'est triste.
pour un pays. Ce n'est pas comme ça pas déguisé bah, là, mais pas essayer de masquer bah, là. Donc, et on a regardé Mme Laline aussi qui parle, nous avons senti que certaines certaines choses, il veut montrer que bah, là pas aussi grave. Non, mais alors, il y a des efforts qui fait pour que certaines améliorations. Donc, où est qui est qui fait, qui complot qui fait entre ces dirigeants, naturellement installés, imposés par l'international, et pour que pas démontrer leur échec au niveau du pays, mais comme tu dis, c'est après que vous reconnaissez l'échec international, hein, crise haïtienne, comme toujours, c'est après, mais pendant ce temps, le mal est déjà fait. Et qui fait les conséquences? C'est toujours la population. Donc maintenant, où est qui entend, qui fait, qui harmonisation qui fait entre M. Kabdirige actuellement là au PM et son staff, et avec l'international à travers Mme Lalim, qui c'est mon senti que nous avons en mol-mol, très bien mol-mol sur la situation. C'est comme Dagado la batte pour associer mieux, bien comprendre, pour dire Jean-Michel, nous-mêmes pour dire oui, c'est parce que nous avons besoin. Ça veut dire que c'est un complot bien monté, voyez, entre l'international et ces messieurs-là qui sont au pouvoir. Naturellement, il ne faut pas voir seulement ces messieurs, il faut voir aussi les alliés de ces messieurs-là aussi, qui cautionnent ce qui se passe dans le pays. Ça veut dire qu'ils ont même mieux impliqué, ils ont la main tout. C'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas seulement pour nos messieurs Ariel et ses alliés aussi. Ils sont là. Donc, même problème là, donc le complot est fait, et puis c'est nous-mêmes qui gagnons pour payer les conséquences comme toujours. Donc, même parce que c'est dégueulasse. C'est inacceptable, nous pensons que ce n'est pas sérieux, c'est très malheureux de leur part quand nous traitons nous comme ça et nous connaissons la situation et nous connaissons un absolu dans le pays. Ou songez à n'est pas que les fédéralisations des gangs, fédérer les gangs, c'est une bonne affaire pour Haïti. Et Antonio Gutiérrez, il allait dire, il a dit qu'il pensait qu'avec ça, il y aurait le taux de criminalité de faire réduire dans le pays. C'était archi faux, un peu comme ça. Depuis qu'il est frisé de l'air, comme ça, il y a un petit frisé de l'air. Ça veut dire que depuis qu'il est en train de faire un discours pareil, et vous avez dit qu'il faut approuver avec ces gens-là. Ah, c'est toujours le contraire, on nous donne toujours le contraire. Mais si vous-même, vous prenez le contraire là, ah, mais merci. Mais c'est nous pour qu'on ait que nous, pour que la femme nous commence à commencer à connaître qui ça nous voulait, qui a été payé nous voulait, qui a été dirigeant nous voulait, et pour nous mettre nos directives, pour nous faire, si nous avons sorti, côté nous, c'est continuer à manifester. Monsieur Ariel, docteur Ariel, t'es refusé quoi que tu as manifesté dans le pays, et peut-être même ses alliés, et vous venez vérité à Kouyala. Et il y a des alliés maintenant qui ont dit non, bah, c'est pas dit que ça va, bon Kouyala. Mais avant, c'était l'évangile. Et maintenant, pourquoi pas? Mais maintenant, ça nous a dit, c'est continuer à manifester. Il faut voir comment les différents acteurs peuvent se faire ensemble pour trouver une sortie de crise. Ancien sénateur Francisco de la Cruz, l'autre nouvelle, Pati Racine Kanpepla fait connaître discours actuel gouvernement Ariel Henry a fait devant Conseil Sécurité Nations Unies la date 26 septembre entièrement déphasage pour porte-parole estrictement politique ça Camille Chalmers discours si là pas porter rien nouveau ni prend aucune position ferme sur gros problème international yo professeur Chalmers fait remarquer tout pouvoir en place là pas gagné en sens ça aucune perspective pour sortir population haïtienne dans gros difficulté là pour rencontrer yo comment Camille Chalmers, dans le micro, collaborateur nous, Micheli Alexis. Nous-mêmes, dans le Racine Kanpepla, nous écoutons le discours, nous notons que c'est un discours qui n'a pas voté absolument rien de nouveau. C'est un discours qui n'a pas aucune position ferme sur les grandes questions qui ont bouleversé la planète aujourd'hui. Par exemple, la question du changement climatique, la question de tout un ensemble de guerres locales, la question des changements de rapport de force au niveau géopolitique, par quelle position qui montrait que le gouvernement a une lecture de questions hein, et que la position de Haïti dans le débat ça. Hein. Et sous question haïtienne, yo, nous pensons que son discours qui est complètement en déphasage par rapport à sévérité et caractère dramatique crise que le peuple haïtien vive là. J'ai l'impression que c'est un gouvernement qui sont l'autre planète. Qui n'a aucun rapport avec les difficultés que tout le monde gagne là aujourd'hui pour vivre, pour survivre, et qui n'a pas offert aucune perspective de solution, aucune perspective de chemin, de sentier qui était capable de permettre de sortir de crise. Donc, nous avons dit son coup pour rien, son discours fade, insipide, qui n'a pas porté absolument rien, et qui montrait à la fois médiocrité et incapacité. Que le gouvernement a gagné pour lui faire face à la crise que nous vivons aujourd'hui. Il faut que nous soyons capables de gagner une posture de dignité, une posture d'affirmation de volonté peuple haïtien pour lui sortir de la crise, là, une volonté pour que nous baillons toutes les dimensions à soulèvement citoyen que cap fait là aujourd'hui et qui a demandé que justement nous sortions d'un type de l'État que nous avons là pour nous entrer dans l'autre type de relation entre l'État et la population. Et défendre la dignité du peuple haïtien hein, contre justement tout un ensemble de déclarations de graines gauche qui a sale pays, hein, qui a criminalisé révolte populaire,
et qui a montré que Haïti est un peuple de barbares. Donc le SAM, parce que c'était une occasion justement pour défendre le peuple haïtien et montrer toute importance que Haïti gagne dans le Conseil des Nations et tout apport positif que nous fait dans la lutte pour l'émancipation et que nous continuons à faire toujours. Donc dans ce sens, parce que c'était juste le fait que y a un pile projecteur qui braquait sur Haïti aujourd'hui, hein, c'était l'occasion pour justement nous proclamer une parole de dignité, une parole qui montrait que nous sommes à la hauteur de tout défi qu'a posé sur la planète-là aujourd'hui. Caraïbe FM, journal créole, la première occasion. Après, à poursuivre tout à l'heure, on a pris le gagnant pour parler avec le président élu à Cor-Montana, économiste Fritz Alphonse Jean. Mais bien avant, on va parler avec docteur Nancy Charles Lacour, directeur exécutif Fondation Haïtienne Diabète avec maladie cardiovasculaire, Yofa Dimac, qui souhaitait lancer un message pour diabétiques avec le monde qui perd un duo dans moment côté. Pays connaît en situation de crise, pays lock, grève, etc. Fadima Kaki mettait campé et yon, non, ça y aurait